Qu'est-ce que le trading? C'est une activité qui consiste à acheter et à vendre des titres financiers dans l'objectif d'en tirer des gains. Mais ce n'est pas l'achat et la vente que tu as l'habitude de connaître, de tenir physiquement quelque chose, comme aller au marché, acheter quelque chose, aller dans une boutique, acheter quelque chose ou vendre. Non. L'achat dans le trading, la vente dans le trading, c'est plutôt des prévisions qu'on fait, des options qu'on achète. Voilà. On achète une option d'achat, on prédit que le marché va monter. À ce moment-là, on achète ou bien on prédit que le marché va descendre, alors on vend. Mais en aucun cas, on va détenir physiquement ces actifs dans nos portefeuilles. C'est ça la différence entre le trading et l'investissement. Donc, le trading, ce n'est pas de l'investissement. On n'est pas venu pour mettre de l'argent et s'asseoir et voir ça se multiplier en passif. Non, on est venu pour travailler. C'est une activité comme le font les banquiers. La différence entre le trading et l'investissement, c'est que l'investissement, c'est quelque chose de passif. Il faut du capital qu'on place dans des actifs et puis on regarde la valeur s'apprécier. En investissement, on a toujours intérêt à ce que la valeur monte. Alors que dans le trading, que ça monte, que ça descende, ça ne change rien pour nous. Au contraire, on souhaite que ça monte et ça descende parce qu'on veut se faire de la plus-value. Donc, un trader n'a pas de souci à ce que le dollar baisse ou le dollar monte. Donc, comment est-ce qu'on devient trader? Il y a deux types de traders. Il y a les traders professionnels, ceux qui sont allés dans des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, en économie, en mathématiques appliquées. Et ces personnes-là, à la sortie de leurs études, postulent dans les banques ou travaillent dans les sociétés de gestion, dans les grandes institutions, pardon. Mais il y a aussi le trader individuel. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est vous, c'est moi. On n'a pas besoin de faire des grandes écoles. Aujourd'hui, avec Internet, tout est sur YouTube. Tu peux apprendre sur YouTube, tu peux apprendre auprès de quelqu'un et tu peux simplement ouvrir un compte sur une plateforme de trading, un broker, déposer un peu d'argent et puis tout d'un coup, commencer à être un trader, acheter et à vendre en un seul clic. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde réussit? Pas forcément. Même si tout le monde veut se lancer dans le trading, ça demande toujours de la formation, ça demande des compétences, ça demande des stratégies. Les traders individuels, surtout la plupart, perdent de l'argent parce que les brokers ont tendance à faire des publicités, à t'inciter à créer un compte rapidement, à commencer à trader en démo, et puis boum, tu passes en réel et là, tu crames ton compte parce que tu pensais que trader, c'était du loto. Beaucoup de gens qui perdent en trading pensent que le trading, c'est du loto, c'est un jeu de hasard, en fait. Bon, comme ça monte, ça descend. Si j'ai la chance, j'appuie et puis ça passe et puis je gagne. Voici pourquoi beaucoup perdent. Nous, on va apprendre à, on va se former et puis on va apprendre des stratégies qui vont faire qu'on sera dans le clan de ceux qui sont des gagnants, tout simplement. OK? Est-ce que le trading, ça rapporte? C'est une question aussi que beaucoup de personnes se posent et combien ça peut rapporter? Donc, d'abord, je vais vous faire comprendre que le trading, c'est pas une science, c'est une science ni exact ni non exact. C'est un calcul de probabilité. Malgré toutes les analyses que tu peux faire, le marché, il est roi et il fait ce qu'il veut. S'il y avait une stratégie ou une technique pour savoir exactement ce que le marché allait faire, tout le monde allait être riche. Donc, retenez que malgré tout ce qu'on va apprendre, ça ne sera pas inutile, hein, mais malgré tout ce qu'on va apprendre, toutes les stratégies qu'on va apprendre, tu vas souvent perdre, même quand tu vas penser que tout a été bien planifié, même quand tu vas penser que tout dit la même chose, parce qu'à la fin, le broker, les banques font ce qu'elles veulent. Le marché du trading, il est manipulé. Il est manipulé par qui? Par les banques et par les plateformes de brokers. Mais ce n'est pas parce que c'est manipulé qu'on ne peut pas tirer profit. Le trading, c'est la guerre. Les marchés financiers, c'est de la guerre. C'est pas un marché qui est venu vous caresser. C'est un marché qui a été fait pour pomper de l'argent aux impatients, pomper de l'argent à ceux, les ignorants, les gens qui ne savent rien, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de stratégie. Donc, si vous restez sans formation, sans stratégie, en espérant sur la chance, vous allez voir votre argent partir en fumée. Et ça part dans la poche de qui? Dans la poche des banques et des grandes institutions et des brokers. Vous pensez qu'un broker, il a créé sa plateforme, tout au tout, il investit pour que toi, tu viennes mettre ton argent, pour que tu gagnes et que lui, il te paye comme ça? Non. Mais est-ce que ça rapporte? Oui, potentiellement. Combien ça rapporte? On peut se fixer des objectifs de 1 à 2 % par jour, c'est réalisable. 3 %, 4, 5, 10 %, ça dépend.
De façon réaliste, certaines personnes qui font du trading MetaTrader avec les profits, par exemple, visent 10% par mois. Voilà, ce qui est raisonnable. Donc, on peut gagner de l'argent en trading. On va voir ça plus tard. Comment?